Il est un des héros de la nuit de Séville, cette demi-finale de Coupe du Monde 82 qui a été élue parmi les matchs du siècle. Une lumière inattendue pour cet enfant de Petré Tobikizane aux ambitions beaucoup plus modestes. Jean-Luc Ettori revient sur les images de sa vie, avec ou sans filtre. Allez, c'est ici que commence votre vie, oh là là, Jean-Luc Ettori. Enfin, la vôtre en tout cas, celle de vos aïeux. Ah oui. Bon, ça c'est l'équipe du... Oh, c'est les anciens ça, hein. Ouais. C'est les anciens. Oh là, ça c'est... Alors ça, c'est à Marseille. C'est à Marseille, ça c'est mon grand-père maternel. Exactement. Exactement. Torino Rigoletto Rimorini. C'est un Rimorini, vous l'avez dit. C'est du côté de votre mère. Exactement. Alors ils ont le maillot de la Juventus parce que justement, c'est toute la diaspora italienne. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il vient d'où, lui? C'est un Italien. Du côté de Florence. Voilà. Ébéniste, ça je sais. Donc... voilà. Peut-être que vous en savez plus que moi. Vos parents m'ont dit que, en fait, vous le savez vous-même, il va plutôt faire une carrière dans l'arbitrage. Dans l'arbitrage. Tout à fait. Et il va être naturalisé français que très tard, à 40 ans. Oui, ça je savais. Ouais. Ça je savais. Ça c'est un truc que je savais. Ouais. En tout cas, vraiment belle photo, bel homme. Et déjà la moustache, on va la retrouver quelquefois, moustache. On va dire que du bien de tous les gens qu'on va voir quelque part, mais franchement, c'est un sacré monsieur, lui. Oui. Ah oui. Franchement. Il a une fille, on va la retrouver à côté. Eh oui. Irma. Elle avec qui, Irma, là? Avec Paul Noël, avec mon papa. Comment ils se sont rencontrés, vos parents? Est-ce que vous le savez, comment ils se sont rencontrés? Vous le savez, je sais. Mais je crois que ça peut être que dans un bar, je pense. Exactement. Voilà. C'était le bar de la famille, du côté de votre maman. Voilà, Yvonne, la maman, devait avoir un bar, un truc comme ça. Voilà. Ils sont tombés amoureux assez rapidement. Qu'est-ce qu'il est venu faire, votre père, à Marseille? Parce qu'on est à Marseille, là, toujours. Hein. Il a travaillé dans la chaussure un peu. Exactement. Et voilà. Il est de Petré, ils habitaient Petré Tobikizane. Il est venu, effectivement, trouver du travail à Marseille. Et il va rencontrer votre maman. Ça va être un coup de foudre. Il vous en parle? Ça va être un coup de foudre assez immédiat, quand même. Ils sont très pudiques là-dessus. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ah ouais. Enfin, mon père, c'est sûr qu'il ne va pas en parler de ça. Ma mère, je pense qu'aujourd'hui, si on la titille un peu, elle est capable. Mais ils sont très pudiques là-dessus. Non, non. On sait pas. Je ne suis pas sûr que... On est six enfants. Il y en a un des six qui sait vraiment exactement comment ça s'est passé, les premiers rendez-vous. Je crois pas. En tout cas, là, on est à Marseille. Ils sont magnifiques, en tous les cas. Et ça va aller assez vite, parce qu'on est sur la photo d'à côté. Vous qui dites qu'ils sont assez pudiques, regardez. Regardez la photo qu'on a trouvée. Oui. Ah oui. Vous avez de la chance de trouver ce genre de photo, quand même, hein. Parce que c'est un mariage qui va durer. Aujourd'hui, votre père, il a quel âge, Paul Noël? Il va avoir 92. Et votre maman? 86. Ils vivent encore ensemble? Oui, non. Il y a eu des orages, hein, comme dans tous les couples. Non, mais nous, on est contents. C'est quand même le ciment de la famille. Hein. On vient tous là pour les voir tous les deux. Décrivez-moi un petit peu votre papa. Moi, j'ai une petite idée, votre papa. Parce qu'il m'a... Alors, on ne le voit pas sur cette photo. Ce qui m'a marqué, c'est le regard de votre papa. Plus jeune, il nous crucifiait. Rien qu'un regard, on savait qu'il fallait s'arrêter, déjà. Ouais. C'est un peu un taiseux, on est un peu les... Exactement. Les garçons de la famille, on est... Surtout les deux premiers, on est un peu les taiseux. Donc, il nous arrive avec lui et mon grand frère de se mettre sur la terrasse, vous connaissez à la maison, mais rester une demi-heure sans parler. Mais on est bien. Donc, ça nous suffit, en tous les cas. Le contraire de votre maman. Ah, ma mère, c'est un peu une Marseillaise. Donc, c'est... Bien sûr qu'il est important, mon père, pour toute la famille, pour toute la fratrie, parce que entre les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, c'est énorme. Pépé Moustache, c'est quelqu'un d'important. Mais je crois que c'est ma mère qui cimente tout ça, quand même. Ils sont beaux, tous les deux, en tout cas, j'ai eu l'occasion de les voir. Et c'est à Marseille que... Et il est là, Jean-Luc. Que vous allez naître. Vous allez naître. 29 juillet 55. Vous avez des souvenirs de Marseille? Pas, non. Pas de souvenirs? Non, je suis parti, j'avais 6 mois, donc... Pourquoi vous allez partir? Parce que, justement, Paul Noël, il est muté à Rennes. Donc, quel changement pour eux. Et oui, parce que, justement, il va travailler là, dans l'alcool. Dans l'alcool. Exactement. On le retrouve, là. Exactement. Donc, c'est un changement pour lui, et donc vous vous retrouvez... Pour eux, vous... mais pour les deux, je sais qu'on est parti, il y avait mon grand frère, Roland, qui avait 3 ans, moi, 6 mois. Pour eux, ça a été un gros changement. Rennes, habiter dans une usine, plus la mer, plus le soleil, c'était pas simple pour eux. Mais...
pour travailler. Il va faire toute sa carrière là-bas. Il a été heureux de sa carrière, hein, votre tout père. Tout à fait. Oui. Ouais, ouais. Vous avez, oui. Comme quoi, malgré tout, c'est un taiseux, mais quand il, c'était aussi un très très bon commercial. Je crois qu'il a, il s'est vraiment identifié à cette marque. On va pas la nommer, mais à cette marque et ça a été voilà. Et, le nombre de gens qui venaient voir Paul Noël à l'usine, c'était impressionnant. Ça, j'ai le souvenir de ça. Il s'est fait un tissu de connaissances, d'amis grâce à ça, qui est énorme, énorme. Et vous l'avez dit, l'usine, c'est le mot parce que c'est là-bas où vous allez pratiquement habiter. Et on va vous retrouver là, à côté. Oh. Et là, vous allez avoir des souvenirs, j'imagine. Ah bah oui. Là, mais là, pour nous, c'était un terrain de jeu extraordinaire. C'était un terrain de jeu. On habitait juste à côté, là. Vous êtes avec qui, là ? Avec Roland, mon frère, le grand. Alors, racontez-nous un petit peu de ce qui se passe, là, à côté, là. Mais là, on a tout fait, nous. On a tout fait. On nous est arrivé de casser une voiture un jour, une voiture publicitaire. Puis on avait un terrain de jeu pour jouer au foot, mais extraordinaire. Ouais. Voilà. Il paraît que vous étiez très kamikaze quand vous étiez petit. Vous ne teniez pas en place. Un peu fada, oui. Ouais. Oui. Il y avait une énergie en vous ? Complètement. Il fallait que je me dépense, tout et fait. Et puis, vous allez même y travailler un petit peu, à l'usine, aussi. Plus tard. Plus tard. Mais oui. Quand même, vous allez toucher parce que ça va avoir son importance dans ce qui va se passer. Un petit peu. Vous allez quand même mettre un petit peu, vous aussi, Oui, oui, parce que moi, à l'école, j'y allais souvent à l'école, mais je ne m'arrêtais pas souvent. Donc, je plaisante. Si mes parents m'entendaient. Et voilà, donc j'ai fait deux, trois mois à l'usine quand même. Ouais. Mais avant de parler boulot, on va parler passion, et vous l'avez dit. Et il y a cette photo, moi. Alors, qui est collector. Cette photo, je peux vous l'expliquer en plus. Ah ben oui, faut me l'expliquer ça. Ça, c'est à 71, détection du Stade Rennais. Moi, j'ai joué dans un petit club à Rennes, ça s'appelait Serre-Paul-Bert de Rennes. Et ça, c'était une détection pour le Stade Rennais. Il fallait partir du milieu et frapper au but, enfin. Et la photo a été prise à ce moment-là. Mais parce que vous avez joué dans le champ, vous, Jean-Luc, vous commencez dans le champ, en fait. Tout à fait. Hein, chien fou, il faut courir. Exactement. Et puis, il y a 15 ans, cadet, je crois, à l'époque, les cadets... On va y arriver sur ce qui va se passer après, justement. Voilà. Mais à la base, le foot, vous voulez jouer dans le champ. Oui, ah oui. Mais il fallait que je cours, il fallait que je tape, il fallait que je me dépense. Donc, oui, moi, c'était dans le champ. Et puis, bon, le destin a fait que... Ben, le destin, on va en parler, justement, du destin qui va faire votre carrière. Oui. C'est pas ici qu'on va en parler, c'est dans la pièce d'à côté. Bon, vous venez voir. Allez, venez. Voilà. Jean-Luc, asseyez-vous et laissez-vous guider. Et commentez surtout. On va commenter, oui. Et oui, mais comme prévu quand même. On va voir cette photo là quand même, dans les buts, enfin. Oh là, c'est Serre-Paul-Bert de Rennes en plus, ça doit être avec l'équipe 1, c'est à mon avis. Oui. C'est avec l'équipe 1 ça, c'était mes tout débuts avec l'équipe 1 du Serre-Paul-Bert de Rennes. Comment vous vous êtes retrouvé dans les buts ? Le gardien n'était pas là, on a dit, bon, Jean-Luc, on sait que tu veux pas te mettre là. Ouais, j'ai dit, ouais, pour dépanner, je veux bien. Et puis voilà, fil en aiguille, ça m'a plu. Ça a plu aux gens, aux entraîneurs, et puis voilà. Là, Jean-Luc, vous avez 16 ans et demi. Ouais. De jouer en DH au Cercle Paul-Bert, c'est... C'était le Graal. Carrément. Ah bah oui. Sauf que, justement, il va y avoir quelque chose, c'est que l'entraîneur de l'époque, il vous juge trop jeune... Et en DH, il recrute un gardien un peu plus expérimenté, tout à 28 fait. Ans. Exactement. Hervé Piau. Je me rappelle le nom. C'est des noms qui m'ont marqué quand même. Pourtant, j'aime bien Hervé, hein, en plus. Il n'y a pas de souci. Mais et c'est ce qui... Ça fait que je suis parti du Cercle Paul-Bert pour aller à Vichy. Parce que mon père, il a mal pris la chose aussi. Moi, oui, bien sûr. Lui, encore plus mal que moi, même s'il n'a rien dit. Et même votre mère aussi, hein. Ouais. Et il est arrivé avec tout le prospectus pour le concours d'entrée à l'INF. Il a dit, si tu veux, on t'inscrit là, tu passes le concours, voilà. Je vous en prie. Je pense que si j'avais continué à jouer en DH, jamais j'aurais passé le concours. Donc c'est votre père qui vous qui incite. Ah oui, parce que moi, ça m'était pas du tout dans le truc, quoi. Hein. Et puis j'avais pas ça du tout à la tête. Moi, j'avais mon Graal, mes potes, les sorties. Je jouais en équipe 1 dans mon club. J'étais bien comme tout, là. Et donc ? Donc, j'ai débarqué à Vichy le 2 novembre 72, je m'en rappelle. Il faisait un froid de canard. Et voilà, j'ai découvert
mes 39 potes qui allaient passer deux, voire trois ans avec moi. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait, Jean-Luc, que vous gravissiez les échelons comme ça, que vous ne soyez pas viré? Parce que dans le football, c'est sans pitié quand même. Hein, ouais, d'abord, moi, je pense que j'ai une grande chance. Je n'avais pas le choix. C'était ça ou l'usine. Et l'usine, j'avais pas envie d'y aller. Ouais. J'avais fait déjà. Donc j'ai dit, oula, tu vas pas retourner. Donc quand je suis arrivé à la Vichy, j'ai dit, mon pote, c'est ça qu'il faut que tu fasses. J'étais remonté comme une pendule, comme un coucou. Hein. Donc j'ai tapé dans l'œil d'un gars et l'AS Monaco a fait une demande à Pierre Pibaro, qui était directeur de l'INF à cette époque-là, en disant, voilà, on voudrait avoir Jean-Luc Ettori, on fait un match d'essai à Lyon, on fait un match amical à Lyon, on voudrait qu'il vienne faire le match. Eh bien, j'ai mis cette image pour ça. J'ai fait ce match d'essai. Je devais faire la première mi-temps, j'ai fait la première mi-temps, et c'est Alberto Muro, l'entraîneur. Il rentre, on perdait 1-0, but de Bernard Lacombe, je me rappelle. On rentre à la mi-temps, il dit, Petit, tu continues, tu fais la deuxième mi-temps, avec son accent un peu argentin. Hein. Alberto Muro, qui était un Ajaxien d'ailleurs, qui a joué à Ajaccio. Et j'ai fait la deuxième mi-temps, on a repris un but, toujours de Bernard Lacombe, 2-0, mais ça s'est bien passé. Donc, on est rentré à l'hôtel. On a fait le repas, il y avait le président, M. Rengo à l'époque, et Alberto Muro, ils m'ont dit, Petit, tu vas dans ta chambre, on montrera, on te dira comment on voit la chose, tout ça. Donc j'ai mangé, je suis monté dans la chambre, j'ai attendu 10h30, 11h moins le quart, j'ai dit, ils vont plus venir, et puis j'ai entendu frapper. Ils sont rentrés tous les deux, ils m'ont dit, mon Petit, c'est bien ce que tu nous as montré, on va te faire signer un contrat stagiaire. Alors là, j'étais sur le lit, mais tellement content que voilà. Bah, vous vous retrouvez là? Oh, ça c'est alors ça c'est le... mon premier stage avec les pros. Albert Vanucci, Jean-Luc Ettori, Feuillera, Chauveau, Petit, François, Chaussin, Courbis. Bon, là vous parlez beaucoup, sauf qu'à l'époque, quand vous êtes dans le groupe, là, il y a une anecdote où Alberto Muro, qu'est-ce qu'il dit sur vous? Parce que vous arrivez, vous êtes silencieux, vous regardez tout le monde, c'est vos idoles. Hein, oui, oui, oui. Un jour on était à table, et on me demande le silence. Il m'appelle au milieu de la pièce, au milieu du restaurant. Et tout le monde s'arrête de parler, tout ça. Et je viens vers lui, il me dit, Pété, ouvre la bouche, avec son accent. Alors j'ouvre la bouche, moi couillon comme je suis, j'ouvre la bouche. Et il se retourne vers tout le monde, il dit, eh oui, il a une langue. Oui, il a une langue. Et, parce que je ne parlais pas, j'arrivais, je découvrais un monde que j'avais toujours voulu toucher, connaître. Mais voilà. Et le jour du match, il arrive un jour. Et donc, à Bastia, comment ça se passe? À Bastia, bon, déjà, Bastia. J'apprends la veille que je vais jouer. Bastia, la terre de mes ancêtres. Donc, je savais que tout le village, tout le monde allait venir, déjà. Donc, ça se passe pendant 20 minutes. Je suis catastrophique, mais catastrophique. Mais je ne prends pas de but. Comme quoi, il devait y avoir une bonne étoile au-dessus de ma tête. Et après, je me suis remis dans le match. Delio Nuis marque un but, on mène 1-0. Et j'ai fait une grosse deuxième mi-temps. Delio remarque un autre, on gagne 2-0 à Bastia. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça, mais ce qu'il faut dire, c'est que vous allez jouer parce que le gardien s'est blessé. Oui, Yves Chauveau. Yves Chauveau. Et vous, à partir du moment où vous rentrez dans les buts de Monaco, il n'y a plus jamais personne qui va vous prendre la place. Non. Enfin, il y a l'entraîneur, à un moment donné, en milieu de saison, cette année-là, 77-78, je me blesse, je rate 3 matchs. Et à la trêve. Et en revenant de la trêve, Lucien Leduc, qui était l'entraîneur, nous convoque tous les deux, Yves et moi, et il dit, bon, le premier à qui il adresse la parole, c'est à moi, il dit, bon, Jean-Luc, toi, t'es jeune, t'es l'avenir du club. En général, quand l'entraîneur dit ça, c'est jamais bon. Je vais continuer à faire confiance à Yves. Bon, elle est boule, bien sûr. Donc, on sort de la pièce, tout ça, et les joueurs, toute la bande, là, surtout les... Petit, Onis, d'Alger... Ce qui compte, quoi. Courbis, qui n'est pas sur la photo, mais qui après était dans l'équipe, appelle le coach et dit, non, nous, on veut que ce soit le gamin qui joue. Hors de question. Nous, on va aller au bout, parce qu'on était devant, là. Contre toute attente, on était devant. Nous, on va aller au bout, il faut que ce soit le gamin qui joue. Donc, c'est moi qui ai joué. L'entraîneur m'a remis et j'ai fini la saison. On était champion de France. Champion de France 78, ouais. Ouais, effectivement. Et j'ai mis cette photo derrière. Jean-Luc Ettori est l'une des grandes révélations de ce début de saison. C'est un gardien pétri de qualité qui, d'après Lucien Leduc, ne devrait pas tarder à connaître les joies d'une sélection. Ettori, l'homme volant. Il y a une petite campagne de presse pour vous faire venir en équipe de France? Pas forcément. Enfin, je ne m'en rappelle pas, en tous les cas. Ouais. Je ne m'en rappelle pas. Mais vous vous dites, je vais y aller? C'est votre ambition? Ah oui, mais de toute façon, quand tu fais ce genre de métier, tu veux déjà jouer en pro. C'était fait.
gagner des titres. C'était fait. Donc, qu'est-ce qui restait ? Il restait l'équipe de France. Donc, il fallait que j'ai tout fait pour. Elle va arriver, l'équipe de France. Oui, ça, c'était chez moi, ça. Vous arrivez à une période stratégique, vous, dans le foot, c'est que c'est avant une Coupe du Monde, en fait. Vous êtes vite sélectionné avant la Coupe du Monde 82. Oui. Oui, parce que vous partez au stage à Font-Romeu avant la Coupe du Monde 82. Vous partez comme troisième gardien. Tout à fait. Donc, on ne pouvait pas vraiment parier sur vous. Vous avez ce survêtement de l'équipe de France, mais rien ne dit que vous allez jouer, en fait. Non, mais personne ne pense que je vais jouer. Il y a peut-être moi qui... Et qu'est-ce qui encore... se passe, ouais, qu'est-ce qui se passe au stage à Font-Romeu ? J'étais sur des ressorts pendant un mois et demi. Ah ouais, franchement. Et je crois que tout le monde a dit, mais non, il faut le faire jouer, lui. Et donc, la Coupe du Monde commence. Ouais. Et vous faites partie de l'équipe, grande équipe de France. Mais paradoxalement, la photo est belle, mais votre compétition, vos débuts de compétition, en tout cas, n'est pas vraiment fantastique. Alors là, on voit Platini, Giresse. Tant bien que mal, sans avoir un grand Ettori dans les buts, vous arrivez jusqu'en demi-finale. Comment vous expliquez d'ailleurs que vous soyez un petit peu moins performant pendant cette Coupe du Monde ? Écoutez, je pense que le manque d'habitude, malgré tout, j'avais une sélection et demie avec l'équipe de France. Une sélection et demie. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Pour attaquer une grande compétition, je crois que Hugo Lloris, il a attaqué la Coupe du Monde, il avait 100 sélections. Ouais. Il faut des habitudes de jeu. Et c'est vrai que je jouais... En plus, je jouais derrière deux monstres, Marius Trésor et Gérard Janvion, mais qui jouaient très bas, alors que moi, à Monaco, j'avais l'habitude d'avoir des défenseurs qui jouaient très haut. Il fallait de la place. Donc, tout ça, j'ai tout fait pour jouer. Hein. Attention, je me suis décarcassé... Mais avec le recul, je me dis, peut-être que tu n'étais pas prêt. Je ne parle pas de qualité ou de talent, hein, ce n'est pas ça. Mais il faut des habitudes de jeu, même un gardien de but, il a besoin d'eux. Et c'est vrai que le trac, peut-être aussi. Je me rappelle à Bilbao, l'entrée sous le tunnel pour entrer. Je passe à côté des Anglais, j'ai l'impression que c'était tous 3 mètres de haut. Donc... c'était impressionnant. C'était quand même la Coupe du Monde. Hein. La Coupe du Monde, t'es regardé par le monde entier. Plus tu avances en compétition, et plus tu sais que les gens te regardent. Quoi. N'en parlons pas de cette fameuse demi-finale où vous êtes bon, mais la demi-finale, je l'ai résumée avec cette image. Ouais. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a pris cette photo-là, mais... Oui, mais c'est une grosse déception, parce qu'on n'était pas programmé pour ça. L'équipe de France, quand elle va en Espagne, on ne pense pas qu'elle va arriver jusque-là. Mais après, quand on analyse le parcours des joueurs qui la composaient après, tu te dis, il y avait du lourd. Complètement. Il y avait du lourd, quoi. Mais... Et on s'est pris au jeu. Là, on s'est pris au jeu. On a dit... C'est une chose. Mais vous, Jean-Luc, ce qu'il y a, c'est qu'on va perdre en demi-finale de la Coupe du Monde en 82. Et vous allez faire un bon match. Paradoxalement, c'est peut-être votre meilleur match. Mmh. Mais vous n'arrêtez qu'un pénalty. Ouais. Et on est éliminé au pénalty. Et on va quand même, notamment une certaine presse, on va vous en vouloir. On va vous tomber dessus. Ouais. Et vous n'allez pas forcément vous défendre. Comment vous allez vivre cette période-là, à un moment ? Vous allez vous faire siffler sur les terrains. Ben, c'était les journalistes, c'est Thierry Roland notamment, qui a eu du mal de vous. Ça a été hyper compliqué. Hein, hyper compliqué pour moi, bien sûr, mais je savais les répercussions que ça pouvait avoir ailleurs. Ma famille proche, mes parents, je sais qu'ils ont très mal vécu cette période-là. Après, moi, j'ai eu la chance de jouer dans un club, l'AS Monaco, où j'avais un statut et où il y avait une confiance même aveugle pour moi. Donc, j'ai pas eu de soucis quant à mon statut de titulaire à Monaco, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Tous les stades, j'étais sifflé, il y a eu des bagarres, il y a eu tout. Hein, mais bon, j'ai une satisfaction quelque part, c'est que j'ai réussi avec le temps, sans trop rentrer dedans, parce que des fois, ça m'a vraiment chatouillé, en répondant à la presse, tout ça, mais à faire en sorte que les gens retournent leur veste. Et ça, c'est aussi une victoire pour moi. Hein. Ben la victoire, on ne va pas en parler dans cette pièce-là, on va en parler dans une autre pièce si vous voulez bien. On y va. Allez, venez avec moi. Dernier espace, Jean-Luc. L'espace de la victoire.
J'espère, il y en a eu quand même un peu. Eh ben, la victoire, elle est comme là. J'ai choisi cette image parce qu'elle résume tout, quoi. Vous avez un certain âge, vous allez faire 602 matchs en division 1 à l'époque, ça s'appelait. Oui, au-delà de ces 602 matchs, il y a un palmarès surtout, hein, parce que ce n'est pas que de durée. Il y a 3 championnats de France, 3 Coupes de France, une finale de Coupe d'Europe. Coupe des Coupes à l'époque. Et donc en mars 94, le 21 mars, c'est ça ? 21 mai. Oui, en mars, ce n'est pas la fin du championnat. 21 mai 94, vous passez de ça, joueur, au milieu de l'effectif. Tout à fait. Ah là, entraîneur. Ah oui, c'est pas bon. Quand on met le survêt, ça veut dire que c'est fini, là. Oui, dans le staff. Donc, À 39 ans, comment on passe, eh ben justement, de joueur à entraîneur? Comment on décide d'arrêter, déjà? Ben, je crois que, enfin, moi, ce que je voulais surtout, je pense que j'aurais pu continuer. Mais le problème, c'est qu'on a envie d'être compétitif, décisif, je dirais. Et je sentais que je l'étais plus. Donc, j'avais surtout envie de me faire une belle sortie. J'ai décidé, moi, en disant, bon, c'est bon, là, j'arrête. Et je me suis retrouvé là. Donc, le président avait été sympa de l'époque. Jean-Luc Campora m'a fait signer un long contrat. En tout cas, on va vous retrouver là, pendant quelques années, pendant 30 ans, sur les bancs de l'AS Monaco. Vous allez faire 33 ans à Monaco. 33 ans. Je suis parti du club à 53, oui. À 53, en 2008. Oui. Mais vous n'êtes pas parti dans de bonnes conditions quand même, Jean-Luc. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Il est arrivé un nouveau président, Jérôme de Bontin, pour ne pas le nommer. Et puis, il a voulu faire table rase du passé, sûrement aidé par quelques personnes qui avaient envie de rentrer au club et qu'on arrivait à tenir un peu à l'écart du club. Et puis, bon, il a réussi son coup. Donc, je vous dis, 33 ans, il a pris 3 minutes pour me dire que c'était fini, quoi. 3 minutes, c'était bien, quoi. Mais c'était une grosse déchirure. Ouais. Aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'elle est refermée, ce serait mentir, mais parce que ça reste mon club. J'ai tout connu, j'ai connu les deux stades, j'ai tout connu dans ce club. Donc, vraie déchirure. Oui. Et pour atténuer un petit peu cette déchirure, vous avez pris cette direction-là. Dites-moi si je me trompe. Et vous êtes venu vous réfugier un petit peu chez vos parents à Petretto. Oui, j'ai passé il y avait une période compliquée dans ma vie privée. Ouais. Donc, je voulais pas être très loin de mes enfants. Donc, j'ai dit, bon, le mieux, c'est d'aller retourner chez papa-maman. Donc, j'ai passé 2 ans au village. 2 ans au village. Ouais. Et le papa qui est là. Ouais. Et au village, vous allez vivre assez simplement, hein? Là, on retrouve la 2 chevaux avec laquelle vous montiez à la turbine. C'est celle-là ou pas? Non, c'est pas celle-là. Non, mais elle existe toujours. Hein. Elle existe toujours. Ah, elle existe toujours, oui. Quoi qu'il en soit, une vie assez simple. Vous allez même vous investir un petit peu dans le club de Propriano, le Tout CAP. À fait. Ah oui, mais complètement. Hein? Plus qu'investir. Oui. Non. Pendant 2 ans, j'ai vécu une aventure humaine extraordinaire avec l'entraîneur, le président, les joueurs, vraiment. Et on est monté en CFA2, hein, avec Propriano. Ah oui, il y a eu du succès quand même. Oui. Et puis, donc, j'ai fait la Corse que je ne connaissais pas. Eh bien, justement. De long en large. Là, on le voit avec les frères Bonaccord, si vous en profitez pour prendre du bon temps. Ah oui, tout à fait. C'est la chasse. Voilà, exactement. La Corse que vous ne connaissiez pas, finalement, vous avez vraiment profité. Exactement. J'ai vraiment découvert mes racines, hein, quelque part. Et puis, aidé par tout un tas d'amis. Je crois qu'on était en balade, on se promenait. Là. Mais voilà, non, j'ai passé des moments extraordinaires. Et on va finir cet écran avec ça, justement. Est-ce que vous avez senti du soutien tout au long de votre carrière de Petretto Bichisano, ou c'était vraiment... Oui, même si le corps, c'est pudique aussi, hein, il n'y avait pas de... Mais bon, de temps en temps, oui, il y avait des choses comme ça, mais... vous sentez bien qu'à chaque fois que je venais en Corse, les gens étaient fiers, au village surtout, hein, même s'ils ne le disaient pas comme ça, mais je sentais que c'était une vraie fierté pour eux, que quelqu'un... Un Corse ait pu réussir, parce que le foot, c'est présent en Corse. Hein, c'est plus qu'une maladie. Hein, il y a un philosophe qui disait que c'est l'opium du peuple. Mais il a raison. Et en Corse, c'est encore très, très présent, ça, enfin, très, très fort. Donc voilà, oui. Non, mais c'est vrai qu'en Corse, les gens ont vraiment vibré avec moi. Ça, c'était bien. Dernier écran, il est là, justement. Parce que la Corse, vous allez la quitter, parce que vous allez recevoir un coup de fil un jour. Mmh. Pour un nouveau pari. Coup de fil de Jean-Marc Ettori. Un homonyme qui n'a rien à voir avec la famille, hein, qui est le président du Tour Football Club. Qui, à l'époque, quand il me fait la proposition, le président de Porto Vecchio. Oui. Voilà, j'ai hésité. Et puis,
mon côté un peu aventureux. Il m'a proposé cette place, président délégué. J'avais quasiment tout fait dans le foot. Ah, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, et puis voir si j'en suis capable déjà. Donc ça me titillait, et puis voilà, j'ai débarqué à Tours avec un autre Corse, avec Olivier Pantaloni, qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'ACA. Et puis je crois qu'on a fait pendant 2 ans du bon travail. Bon, j'ai fait des erreurs, hein. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas fait d'erreurs, ça ne serait pas vrai. Et puis avec le président, ça, c'est un peu, tout ça s'est un peu déréglé, et j'ai préféré mettre un terme à notre relation. Pour vous lancer là-dedans, justement, là, c'est une partie un petit peu de ce que vous avez à Tours aujourd'hui. Vous êtes, on peut dire restaurateur, Jean-Luc ? On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on dit ? Je reçois des amis pour les faire manger. Mais avec vos neveux aussi, en tout cas. Oui, avec deux de mes neveux, on a monté des affaires à Tours. Là, c'est sur la place Châteauneuf, si vous avez la tour Charlemagne, derrière la basilique Saint-Martin. Donc, vraiment un bel endroit. Et c'est là où vous vivez aujourd'hui ? Oui, j'ai refait ma vie là-haut, avec une belle tourangelle, et voilà, donc... Il y a toujours une femme dans le coup, hein, en général. Hein. Ah bon ? Mais sinon, je suis revenu en Corse. Cette photo. Puisqu'on parle de foot. Sacré monsieur, là. Mais justement, justement, ça sera l'image de la fin. Quand vous voyez cette photo, là, Jean-Luc, qu'est-ce que vous pensez à tous les... Vous pensez à quoi, quand vous voyez ça ? Alors, ça résume beaucoup. C'est pas pour passer de la pommade à qui que ce soit, ou que je me suis vraiment identifié à ce club, à cette ville, à ce pays. C'est tout ça, Monaco. Et quand on sait tout ça, je crois que pour réussir à Monaco, il faut penser à tout ça et avoir tout ça au fond du cœur vraiment. C'est vraiment différent de porter les couleurs de l'AS Monaco que de porter les couleurs de Saint-Étienne, que de Bordeaux. C'est un pays, hein. Et ça, c'était un sacré chef d'État, hein, le prince Rainier. Mais quand vous regardez ça, justement, aujourd'hui, vous n'avez plus trop de rapport avec Monaco. Non, c'est... Parce que l'histoire est... Bon, j'ai toujours mes enfants qui habitent en principauté, ils sont nés là-bas, c'est chez eux, mes petits-enfants, donc il y a toujours attachement, mais avec le club, il n'y a plus de relations. C'est dommage, d'ailleurs, hein, c'est... J'aurais aimé pouvoir leur donner encore plus, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il ne faut pas avoir de regrets. J'en ai pas. Vraiment, j'en ai pas. On va finir l'émission avec le selfie, puisque vous n'avez pas de regrets. Non, il ne faut pas en avoir. Hein. Non. Ça serait dommage d'en avoir avec votre carrière, de toute façon. Ouais. Hein. Souriez, Jean-Luc. Voilà. Merci pour ce bon retour dans le passé. Ça fait du bien, c'est super. Merci à vous d'être venu. Merci. Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Et à bientôt, à Tours. Pétrette. Ah, ben, à Tours. Vous revenez encore de toute façon, Pétrette, avec les parents. Elle est partout, la photo, mais il faut venir à Tours. D'accord.